Très engagé dans le processus d'intégration sous-régionale, les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo et Idriss Déby du Tchad viennent de poser un acte de grande portée politique et historique en faveur des peuples autochtones longtemps marginalisés qui occupent désormais une place de choix dans le développement de l'Afrique centrale. Les deux chefs d'État ont signé le 6 mars dernier à Infondo, dans le département de la Likwala, la convention qui transfère l'organisation et la gestion du Forum international sur les peuples autochtones du Congo au secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La signature de cette convention implique dorénavant tous les peuples autochtones d'Afrique centrale et intervient en marge des travaux de la troisième édition du FIPAC, Forum international des peuples autochtones du Congo, qui s'est déroulé en présence du président béninois Thomas Boni Yayi, qui a fait lui aussi le déplacement d'Infondo dans le cadre des rencontres permanentes entre les dirigeants du continent. Ainsi, la CEAC, qui a désormais l'obligation de participer au développement socio-économique et culturel des peuples autochtones dans l'espace sous-régional, s'engage à poursuivre et à pérenniser la philosophie qui a concouru à la création de ce projet bien peaufiné, notamment la volonté de préserver les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et la promotion de l'économie verte, une vision écologique du président Denis Sassou Nguesso. À partir de ce jour, la CEAC assurera la gestion et le fonctionnement du FIPAC et y affectera les personnels qui seront placés sous son autorité directe. Les pays du bassin du Congo viennent ainsi de se doter d'un nouvel instrument de coopération et d'intégration sous-régionale portant sur la question autochtone. La signature de la convention transférant le Forum international sur les peuples autochtones du Congo a coïncidé avec l'inauguration du village du FIPAC par les présidents Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno.